La self-défense est souvent un fourre-tout dans lequel on retrouve des techniques de plusieurs arts martiaux, organisées plus ou moins logiquement de manière à faire face aux agressions possibles dans la vie actuelle. Généralement, les cours et les livres de self-défense présentent un répertoire de techniques qui, quand elles sont mémorisées et répétées jusqu'à devenir des automatismes, nous permettent de nous protéger dans des situations difficiles. Il est donc facile de comprendre pourquoi une grande partie du public en général conçoit la self-défense comme une série de trucs que peuvent nous apprendre un professeur. Le mythe des techniques secrètes, des points vitaux ou de l'énergie interne. De cette manière, ils croient que la self-défense, avant tout une connaissance intellectuelle, quelque chose qui, une fois qu'on l'a mémorisé, fonctionne automatiquement. Le fait d'entendre dire que quelqu'un connaît la self-défense, le kung-fu ou le karaté, tout comme il connaît la géographie ou l'histoire, est assez symptomatique. Pourtant, on ne dit pas que quelqu'un connaît l'athlétisme, la boxe ou la gymnastique. On dit simplement qu'il fait de l'athlétisme, de la boxe ou de la gymnastique. En réalité, la self-défense est une habileté qui est le fruit d'un entraînement et non de connaissances acquises une fois pour toutes. C'est une habileté qui se développe en cultivant certaines qualités avec une méthode et des objectifs et qui, si elle cesse de se cultiver, c'est-à-dire de s'entraîner, se perd petit à petit. La méthode doit développer une attitude psychologique, une stratégie, une condition physique. Une bonne méthode requiert une condition physique minimum, pas trop éloignée de l'individu moyen. Dès lors, un système de self-défense qui exige ou se base sur une condition physique hors du commun, force, vitesse, endurance ou souplesse, devra être écarté. La stratégie et l'attitude psychologique sont les aspects principaux. Une stratégie simple mais universelle, c'est-à-dire valable dans toutes les situations, et une attitude psychologique qui permet de dépasser la peur, ou mieux, d'agir malgré elle. Viennent ensuite les objectifs. La self-défense a pour objectif de préserver l'intégrité physique. Son objectif n'est pas de battre l'agresseur, de le mettre KO, de l'immobiliser ou de démontrer une supériorité sur lui. La fuite et l'évitement du conflit sont dès lors les deux meilleures options. Quand ces options ne peuvent être utilisées, alors nous utiliserons des actions qui nous permettent d'annuler l'agresseur ou de créer la possibilité d'échapper. Pour qu'une méthode de self-défense fonctionne, il faut d'abord poser ces quatre questions. Quelle est l'attitude mentale la plus adéquate pour dominer un conflit? Quelle stratégie peut me permettre d'affronter quelqu'un de plus fort que moi ou plusieurs adversaires, s'ils sont ou non armés? Dans quelles conditions physiques je me trouve et dans quelle mesure je peux l'améliorer sans trop de temps ni d'efforts? Par exemple, une femme, un homme de 60 kg ou un homme de plus de 50 ans. Quels sont mes objectifs avec la self-défense? Être champion, être fort, me protéger, avoir plus de confiance en moi? Les réponses à ces quatre questions vont nous donner la structure de la méthode de la self-défense. Le Wing Tsun applique simplement 5 principes stratégiques de base qui permettent de réagir intelligemment, même si l'on est mort de peur. Allez à la rencontre de l'adversaire en protégeant les points vitaux avec vos bras et vos jambes, ce que nous appelons la solution universelle. Et si la voie est ouverte, frappez sans cesser. Si la voie est bloquée, restez collé. Utilise la sensibilité et, si la force de l'adversaire est supérieure, cède. Si l'adversaire se retire, suivez-le. Si vous notez un vide de force, frappez au travers. Allez à la rencontre de l'adversaire en protégeant les points vitaux avec vos bras et vos jambes, ce que nous appelons la solution universelle. Et si la voie est ouverte, frappez sans cesser. Thank you.
Ici, il ne peut avancer. Le premier concept de Wing Chun est d'avancer, mais sans qu'on nous frappe. Pour cela, nous déplaçons la jambe en cercle et nous entrons comme ça. Encore une fois, nous entrons jusque-là. Plus tard, ce mouvement sera réalisé en combinaison avec les poings. Maintenant, des variantes. On peut faire comme ça. Quand le coup de pied arrive, nous sortons en esquivant, nous frappons du pied sa jambe et nous entrons. Ou bien, nous pouvons bloquer son coup de pied ici et entrer. Mais surtout, concentrez votre réponse. Si l'adversaire se trouve là, notre première option est celle d'entrer et d'avancer avec le pied et le poing. Nous pouvons manquer le premier coup de poing, mais les coups de poing suivants doivent atteindre leur cible. Ne réalisez pas la technique comme si vous la connaissiez d'avance. Vous devez chercher l'objectif. Vous devez apprendre à vous adapter au mouvement de l'adversaire. Más rápido. Pero...
Mañana luego voy a subir arriba a hacer. Oye tú. ¿Mira qué me has hecho con el teléfono? ¡No! Si la voie est bloquée, restez collé. Maintenant, lentement, l'entrée. On réalise le contact, nous passons l'autre main par ici et nous entrons. Ce que nous allons apprendre ici, c'est à ne pas rester tranquillement ici derrière quand arrive une force. Ce que nous allons faire, c'est d'absorber cette force et avancer. Il est important de ne pas perdre l'équilibre pour pouvoir continuer d'avancer. Nous pouvons arrêter cette force avec un coup de pied. Mais peu importe comment nous entrons en contact avec elle, l'important c'est d'apprendre à céder.
Cela peut être d'un côté ou de l'autre. Le poing doit entrer sans se lever. Vous devez apprendre à bien faire ce mouvement pour le cas où l'adversaire s'accroupirait. Vous devez rester bien collé, même quand vous réalisez les changements de direction. Les épaules en arrière. Utilise la sensibilité et, si la force de l'adversaire est supérieure, cède.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Maintenant, plus lentement. Je suis ici et je rentre. Quand il pousse, je recule jusqu'à me retrouver dans cette situation. La même chose ici, s'il entre de l'autre côté. Les mains au centre et le corps droit. Ici, vous devez apprendre à céder, à pivoter en absorbant sa force et à l'utiliser à votre bénéfice. Le pivot est très important. Si nous ne savons pas le faire, nous ne pourrons pas profiter de la force de l'adversaire. Vous devez pivoter sans perdre l'équilibre. C'est pour ça que nous faisons cet exercice, des deux côtés. Thank you.
Si l'adversaire se retire, suivez-le. Nous entrons et nous nous déplaçons. Nous nous adaptons et nous le suivons. Cambia para el otro lado. Aquí. Cambias para el otro lado. Aquí un poco. Cambias para un lado. O por aquí. Cuando entra. Quand il entre, il vient me chercher. Aquí. Nous passons de l'autre côté. Notre poing doit s'accompagner d'une pression continue vers l'avant. Il nous servira de guide, comme une antenne. Le Chi Sao sert aussi à cela. S'il vient par ici, je me place dans cette direction. Quand le moment que réellement cruza ici, non si, si c'est ainsi, c'est très facile. S'il croise et s'éloigne, alors j'avance. Il s'agit d'avancer, pas de pivoter. Je pivote quand, depuis cette position, il vient sur moi. C'est alors que j'ai besoin du pivot. La pression que j'exerce avec mon poing m'indique que quand il se retire, je dois le suivre. S'il vient me chercher ou s'il est très fort, alors je cède. Je pivote d'un côté ou d'un autre. Oye, tú. Oye, tú. Oye, tú.
Cámara lenta. Salgo, fallo. Y me lo siguiente. Ne restez pas avec la jambe séparée. Elle doit se trouver ici. Si vous notez un vide de force, frappez au travers. Le premier coup de poing entre comme ça. Non, ne te défends pas. Le Wing Chun ne défend pas. Le premier concept de Wing Chun est l'attaque, pas la défense. Quel sera ton premier mouvement? Bien, comme ça. Les deux mains doivent bouger et les deux poings au centre. Les poings au centre. Venga compactada, un puño solo. O venga compactada y te metas por aquí un puño. Estira los puños. Tu dois tendre les bras. Estíralos. Eso no está estirado, como lo veo. Eso es. Penetra. Esto lo haces por aquí o por ahí. Tú que sabes por dónde voy a venir. Los puños bien hechos. No estiras los puños, Carlos. Hay que estirar los puños. Tu peux attaquer d'un côté ou de l'autre. En réalité, si nous pouvons, nous ne défendons pas. Nous entrons comme ça. Nous sommes protégés. Et si nous pouvons, nous évitons toute attaque. Thank you.
Cámara, ¿está? Cuidado también por este lado. Ahí se cae para ese lado. Nous pouvons, dans ce cas, entrer ici. Ou ici. L'important dans un coup de pied, c'est de ne pas rester dans la distance, car l'adversaire peut venir avec un autre coup de pied. Comme vous voyez, n'importe quel coup de pied peut être défendu. Nous pouvons même faire ceci. L'important, c'est de ne pas rester en arrière. Hey, tout. La manière de faire est la même dans les différents cas. Nous n'allons pas essayer de le saisir pour réaliser une luxation ou un étranglement. Nous allons nous protéger. Une fois qu'il y a contact, nous allons sentir d'où vient sa force. Chercher le trou, le contrôler en tout point, de bas en haut, et l'amener où nous voulons. Et
Contrôle. La main ici, et nous orientons sa tête. Nous l'amenons au sol en contrôlant aussi avec les genoux. La même chose s'il essaie maintenant de s'accroupir. À cette distance, nous allons profiter de sa force dans cette direction. De l'autre côté, nous contrôlons son épaule. Maintenant, s'il veut ôter sa jambe, nous entrons. S'il pousse en avant, nous ne le freinons pas. Nous le laissons aller. Nous contrôlons et nous sentons vers où il va.
L'important, face à plusieurs adversaires, c'est de ne pas nous mettre entre deux flancs. Nous devons toujours essayer de nous évader. Utiliser un adversaire comme bouclier. Rapidement, quand ils entrent, je dois décider dans quelle direction me déplacer et essayer de maintenir au moins l'un d'eux au centre. Poursuivons l'entraînement. Si tu viens vers moi, je vais essayer de faire de ton camarade un obstacle pour toi.
blesse devra être écartée. La stratégie et l'attitude psychologique sont les aspects principaux. Une stratégie simple mais universelle, c'est-à-dire valable dans toutes les situations, et une attitude psychologique qui permet de dépasser la peur, ou mieux, d'agir malgré elle. Viennent ensuite les objectifs. La self-défense a pour objectif de préserver l'intégrité physique. Son objectif n'est pas de battre l'agresseur, de le mettre KO, de l'immobiliser ou de démontrer une supériorité sur lui. La fuite et l'évitement du conflit sont dès lors les deux meilleures options. Quand ces options ne peuvent être utilisées, alors nous utiliserons des actions qui nous permettent d'annuler l'agresseur ou de créer la possibilité d'échapper. Pour qu'une méthode de self-défense fonctionne, il faut d'abord poser ces quatre questions. Quelle est l'attitude mentale la plus adéquate pour dominer un conflit? Quelle stratégie peut me permettre d'affronter quelqu'un de plus fort que moi ou plusieurs adversaires, s'ils sont ou non armés? Dans quelles conditions physiques je me trouve et dans quelle mesure je peux l'améliorer sans trop de temps ni d'efforts? Par exemple, une femme, un homme de 60 kg ou un homme de plus de 50 ans. Quels sont mes objectifs avec la self-défense? Être champion, être fort, me protéger, avoir plus de confiance en moi? Les réponses à ces quatre questions vont nous donner la structure de la méthode de la self-défense. Le Wing Chun applique simplement 5 principes. La self-défense est souvent un fourre-tout dans lequel on retrouve des techniques de plusieurs arts martiaux, organisées plus ou moins logiquement de manière à faire face aux agressions possibles dans la vie actuelle. Généralement, les cours et les livres de self-défense présentent un répertoire de techniques qui, quand elles sont mémorisées et répétées jusqu'à devenir des automatismes, nous permettent de nous protéger dans des situations difficiles. Il est donc facile de comprendre pourquoi une grande partie du public en général conçoit la self-défense comme une série de trucs que peuvent nous apprendre un professeur. Le mythe des techniques secrètes, des points vitaux ou de l'énergie interne. De cette manière, ils croient que la self-défense, avant tout une connaissance intellectuelle, quelque chose qui, une fois qu'on l'a mémorisé, fonctionne automatiquement. Le fait d'entendre dire que quelqu'un connaît la self-défense, le kung-fu ou le karaté, tout comme il connaît la géographie ou l'histoire, est assez symptomatique. Pourtant, on ne dit pas que quelqu'un connaît l'athlétisme, la boxe ou la gymnastique. On dit simplement qu'il fait de l'athlétisme, de la boxe ou de la gymnastique. En réalité, la self-défense est une habileté qui est le fruit d'un entraînement et non de connaissances acquises une fois pour toutes. C'est une habileté qui se développe en cultivant certaines qualités avec une méthode et des objectifs et qui, si elle cesse de se cultiver, c'est-à-dire de s'entraîner, se perd petit à petit. La méthode doit développer une attitude psychologique, une stratégie, une condition physique. Une bonne méthode requiert une condition physique minimum, pas trop éloignée de l'individu moyen. Dès lors, un système de self-défense qui exige ou se base sur une condition physique hors du commun, force, vitesse, endurance ou souplesse. Yeah.
stratégique de base qui permet de réagir intelligemment même si l'on est mort de peur. Allez à la rencontre de l'adversaire en protégeant les points vitaux avec vos bras et vos jambes, ce que nous appelons la solution universelle. Et si la voie est ouverte, frappez sans cesser. Si la voie est bloquée, restez collé. Utilise la sensibilité et, si la force de l'adversaire est supérieure, cède. Si l'adversaire se retire, suivez-le. Si vous notez un vide de force, frappez au travers. Allez à la rencontre de l'adversaire en protégeant les points vitaux avec vos bras et vos jambes, ce que nous appelons la solution universelle. Et si la voie est ouverte, frappez sans cesser.